Au cours de ce dernier épisode du podcast du patrimoine consacré aux traditions de Noël en Europe, nous allons voir plusieurs pays. Commençons par la Bulgarie. Le 24 décembre au soir, on étend sur le plancher de la salle à manger de la paille recouverte d'une nappe sur laquelle sont disposés 7, 9 ou 12 plats maigres. Parmi eux figure la Bogova Pita, une fougasse où l'on insère une pièce en argent censée porter bonheur. À minuit commence Koleda, la fête de Noël. La personne la plus âgée déambule dans la maison avec de l'encens afin de la purifier. Les jeunes filles préparent un pain spécial, le kravaï, qu'elles offrent aux koledari, de jeunes hommes vêtus de parures fantaisistes qui visitent les maisons pour y présenter leurs vœux, interpréter des chants traditionnels et recevoir des cadeaux. En Hongrie, c'est Mikulás, Saint-Nicolas, qui apporte les cadeaux aux enfants le 6 décembre, accompagné de Krampus, des diablotins. S'ils ont été sages, les enfants trouvent des jouets dans leurs bottes placées sous la fenêtre. S'ils ne l'ont pas été, une baguette les attend. La préparation de la table de Noël en Hongrie suit un rituel ancestral. Sur de la paille sont disposés des objets usuels, comme un peigne ou un couteau, recouverts d'une nappe. Sous la table est placé un panier rempli d'avoine, de blé, de maïs. Grâce à ce rituel, les paysans espéraient autrefois avoir de bonnes récoltes. Le repas de Noël commence en Hongrie par le partage d'une pomme entre tous les convives en souhaitant se retrouver ensemble l'année suivante. Puis chacun prend une noix dans un panier et l'ouvre. Si la noix est belle, c'est signe de bonne santé. Dans le cas contraire, c'est plutôt mauvais signe. En République tchèque, une légende, identique d'ailleurs en Slovaquie, prétend que seules les personnes pratiquant le jeûne le 24 décembre peuvent voir un petit cochon d'or se promener parmi les étoiles à minuit. Beaucoup de Tchèques perpétuent la tradition de couper une branche de cerisier et de la conserver à la maison. Si elle fleurit à Noël, c'est un bon présage. L'hiver sera court et la famille heureuse. Le 5 décembre, Svatim Kalas, Saint-Nicolas, descend du ciel, accompagné d'un ange et d'un diable muni d'un fouet. Ils apportent des cadeaux, des fruits et des sucreries. Le repas traditionnel en République tchèque est composé de carpes panées et de salades de pommes de terre, suivies de kukrovi, des gâteaux à la confiture et aux noisettes. Direction à présent la Roumanie. Dans les campagnes roumaines, les jeunes gens interprètent des danses et des chants de Noël, revêtus d'habits traditionnels et de masques. En ville également, les hommes chantent la traditionnelle chanson de l'étoile pour obtenir des gâteaux, des noix et des pommes. La nuit de Noël, Moskratim, le Père Noël, dépose ses cadeaux sous le sapin. Le repas du réveillon est composé de saucisses de porc, de poulet, de fromage, de salade d'aubergine. Ensuite vient le sarman, un mélange de viande et de riz roulé dans des feuilles de chou. Enfin, plusieurs desserts, dont les kozonatsi, des gâteaux spécialement faits à Noël. En Slovaquie, c'est encore Saint-Nicolas qui distribue les cadeaux aux enfants, accompagné de personnages masqués censés chasser la mort des maisons. Le repas de Noël demeure très traditionnel et empreint de rituels religieux. Il commence par les oplatki, des sortes de gaufres au miel représentant des scènes saintes qui autrefois étaient confectionnées le 12 décembre, veille de la Sainte Lucie. Le soir du 24 décembre, en Slovaquie, elles étaient bénies avant d'être distribuées par les enfants à chaque famille. Puis vient la soupe à la choucroute, la carpe panée et la salade de pommes de terre. Terminons ce tour d'Europe par la Slovénie. En souvenir d'ancestrales fêtes païennes célébrant le solstice d'hiver, un grand nombre de légendes et de traditions perdurent encore aujourd'hui. C'est toujours Miklavac, Saint-Nicolas, qui distribue les cadeaux aux enfants. Autrefois, il passait dans chaque village, accompagné d'anges et de diables qui faisaient grincer les chaînes. Les pères attendaient sur le pas de la porte, les enfants serrés derrière eux. Miklavac lisait la liste des enfants sages auxquels les anges distribuaient des fruits secs. Les autres recevaient quelques petits coups d'une baguette décorée de rubans. La coutume veut que l'on prépare, en Slovénie, des pains et des pâtisseries avec trois farines différentes, blé, seigle et sarrasin, pour protéger les hommes et les animaux.